Bonjour. Alors, je suis un petit peu dégoûtée. Nous sommes dimanche, c'est la fête des pères. Hier, j'avais très peu vlogué, mais j'avais un petit peu vlogué. Et là, j'ai des rochers inexploitables. Ma caméra est en train de me lâcher. Et donc, pour la fête des pères, nous allons manger au restaurant. On est déjà allé là-bas. Bonne fête. J'ai pris salade de chèvre chaud, elle a l'air extrêmement bonne. Assiette, hein. Et toi, c'est une menu fête des pères, c'est de l'agneau, c'est ça? Oui. C'est joliment présenté, tes petits légumes là. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a de la patate, des œufs et Granny Smith. Ça se marie super bien. Le producteur de chèvre est vraiment à côté, quoi. Bon, on est sorti du resto, on a très bien mangé. Là, on a vu se balader un peu, c'est genre un parc de loisirs. C'est où l'entrée? C'est là-bas ou c'est... Je sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que... On est le combien? Le 16? Tu sais que ton fils nous a invités pour le goûter tout à l'heure. T'as quand même des c'est gars breton, hein, qui font du paddle ou j'en sais rien. Mais c'est quand même pas ouf. Non. Bon courage. Il y a accès au parc, c'est ça? Peux-tu faire le gros toboggan? Bah bien sûr, évidemment. Bien. Mais non mais je rigole. Ça va pas, non? Qu'est-ce que j'aille faire là-dedans? C'est pour les gamins. C'est passé à ça que je le fasse. Hein. On a demandé aux gars de la sécurité. Ah, ils ont dit prêt. Non, c'est limite 16 ans, je fais, c'est pas juste. Parce que t'as des gamins de 16 ans qui font plus de 50 kilos. Et ils m'ont dit c'est juste. Et ils ont pas su comment répondre. Ouais, bon bref, j'y vais. J'ai toujours rêvé de venir. Ah bon? Je suis resté avec une âme d'enfant. Et donc c'est journée ouverte. Je la trouve belle cette structure, non? Oui. Après manger, on va. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je tourne pas très vite, hein. Non, mauvais, je vais vomir, tu rigoles quoi? Oh non! T'arrêtes. Oh putain. Ah! Ça c'est pas possible après avoir mangé de l'apéro et tout. Oh, jamais. Ah ouais, c'est chaud. C'est pas... Ça tourne, hein. Pas glorieux hein. À la base c'était une balade digestive compliquée. Le parc en lui-même il est pas ouf dans le sens où je trouve qu'il est pas très gay. Peut-être que oui, bon ça parle aux gamins quoi, mais bon je sais pas, peut-être que c'est le temps aussi qui fait. Quand tu as des jeux en bois comme ça, ouais, chaque année, ouais, tu les nettoies, tu les rebondis avec, enfin tu remets ça à neuf quoi. Ces barrières et tout, faut les refaire chaque année. Ouais. L'inspecteur des travaux finis un peu là. Ah mais pourtant je le suis pas naturellement, mais quand c'est trop, c'est trop. Oui, d'autant plus quand tu fais une porte ouverte, tu fais en sorte que le jour de la porte ouverte, même si on est les seuls à être là presque. Oui, ouais, je sais bien. Tu passes à tomber partout. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, tu t'es propre. Il y a de la mousse. Tout ça, ça se nettoie et puis ça se... T'as pas envie là, de reposer. Ouais, ouais, non, mais je vais reposer tes fesses là. Ouais, c'est vrai que et regarde l'herbe, je comprends pas le délire là. Ouais. Nous y voilà, ça y est, il pleut. Non mais le plan d'eau, c'est vrai qu'il est joli. Ça te plairait pas qu'on faisait la voile tous les deux? Je t'emmènerais sur mon dériveur. Bien sûr. Regarde le bateau là-bas. On serait pas bien tous les deux? Si. Bercé par le clapetit. Ah, il y a la sécurité. Ouais. Ou encore un fil dehors. Ouais. Toujours pas pour faire le... Non. Ça va être compliqué. Allez, c'est pas grave. Bon courage. Bon courage à vous. Hein. Au revoir. Où il est? Là, le voile orange. C'est un peu tristoun quand même, hein, d'avoir bon, ce temps-là. Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Pardon. Qu'il fasse ce temps-là maintenant, c'est bizarre. Ou alors il va faire chaud d'un coup, je pense qu'on va pas être. Il fait pas froid. Début juillet, ça va être du 35. C'est sûr. Ah, j'espère pas. Total. Ouais, c'est très paradoxal. Hein. Très, totalement paradoxal. Attends, parce que je vais niquer la caméra. Ouais, je pensais. Il est 4h, Eric, c'est. Je le savais. Non. Ça va pas être possible. Je lui avais dit, on ne se pose pas, on s'endort pas. Ah, j'ai vu. Il est 4h, on est censé être là-bas 4h. C'est les 24h du Mans. C'est vrai que ça endort en plus. On y va? Qui gagne? Ferrari. Pour l'instant. Ah, parce qu'il y a encore un écart. T'es toujours team Porsche, toi? Oui. Non, peut-être Peugeot aussi, parce que c'est des voitures françaises, puis Alpine. Ouais, Peugeot, ils sont loin. Je crois qu'on va au Mans bientôt. Il m'a dit ça tout à l'heure, genre dans une semaine ou deux. Je me suis pris la flotte bien comme il faut. Lundi matin. Alors, je vous explique la chose. Les choses.
Bon, déjà, au niveau de mes cheveux, je vais les attacher. Je ne peux pas les laver puisque demain, coiffeur. Donc, vaut mieux éviter quand tu vas faire des... Je ne vais pas faire une couleur, mais quand tu vas faire des mèches, il ne faut pas les laver. D'ailleurs, demain, coiffeur, je suis pas certaine. Enfin, il est possible que je les recoupe pour faire un vrai carré parce qu'ils sont un peu longs. Mais je veux quand même garder une longueur. Mais tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire blond. Enfin, plus, beaucoup plus blond. Et après, on verra. Sinon, là, je suis un petit peu à la bourre. Je me suis levée tôt. J'ai descendu toutes mes boxes. Les premières boxes, il y en a 75. Et ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai le transporteur des pieds qui passe là pour les récupérer, normal. Le problème, c'est que c'est jamais le même qui vient. Mais ces deux personnes n'ont pas du tout la même méthode. Donc depuis le début, en fait, il y en a un. Moi, je mets toutes mes boxes dans le gros sac. Il sonne, il récupère, je lui dis combien il y en a et il s'en va. Et la dernière fois, j'ai eu le deuxième. Donc j'avais mis tout dans les sacs. Ça prend aussi du temps hein, de bien les mettre dans le sac. Et il me dit, ah non, moi je les scanne devant vous pour plus de sécurité. Ça s'entend. Donc il a fallu que je retire toutes les boxes. Donc quand on a 70-80, ça prend du temps. Il les a scannées une par une devant moi. Et après, il a fallu les remettre. Donc ça pour vous dire que je ne les ai pas mis dans le sac. Mais si c'est le premier, il risque d'être surpris. Si lui, il a l'habitude de passer, sonner, récupérer et partir. Ça, c'est l'inconvénient quand ce ne sont pas les mêmes méthodes. Pendant que je vous ai... Je voulais parler d'un truc avec vous qui m'est arrivé hier quand on était au resto. Eric, en fait, j'ai assez mal pris. C'est même pas une réflexion qui m'a... Enfin, c'est une réflexion, ça doit être une réflexion. Moi, je suis pas du tout susceptible. Mais je sais pas, parfois, ça peut être t'es plus fatigué, t'es plus... J'en sais rien. Donc, on évoquait le fait que lui, tous les matins, il s'astreint à faire sa gym. Ses étirements, ça dure peut-être 25 minutes, c'est assez intensif. Et moi, je lui disais, ouais, et moi, c'est vrai que ça m'embête de pas... c'est pas avoir le temps, parce qu'on a tous le temps. On le prend pas, mais on a tous le même temps, seulement tu le prends pas. Et je lui disais que ça m'embêtait, moi, de pas prendre le temps, de pas continuer à le faire. Et là, il me dit, franchement, tu devrais t'astreindre à le faire tous les matins pour ta santé, ça serait mieux. Et je sais pas pourquoi. J'ai vrillé dans ma tête, je me dis, quoi? En fait, tu sous-entends, un truc de meuf, hein. Tu sous-entends que j'ai grossi, tu vois. J'étais là-dedans. Et je le voyais décomposer, je suis en gros. Et il était en mode, mais attends, je ne t'ai jamais dit ça. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout le message que je voulais dire. C'est pour ta santé, parce que santé mentale, le fait de faire l'exercice physique, déjà tu dors mieux, tu machin, bien sûr. Et là, il me dit, et il a vraiment pas tort, mais tu sais, là, comment tu as réagi, en fait, c'est comme quand moi, donc moi, Eric, je vais chercher des petits croissants, tout ça le matin. Et que tu contrôles ce que je mange. C'est vrai que moi, je regarde. C'est-à-dire que lui, il va se prendre deux pains au chocolat plus un croissant. Et je lui fais la réflexion en mode, franchement, à ton âge, c'est chaud, quoi. Les vinaiseries, trois d'un coup, c'est peut-être beaucoup. Et c'est vrai que ça le saoule. Et je comprends. Et il me dit, c'était du même délire, en fait. Toi, quand tu me fais cette réflexion, c'est pour ma santé, les artères, machin. Et moi, c'était pareil, c'est pour ton mental. Mais ce qui m'a étonnée, est-ce que c'est l'âge ou quoi? Habituellement, ça me vexe pas ou voilà, je n'ai pas compris. Pas ouf la coiffure quand même. Ouais, bah ça fera le job. Hein. Ça fera le job jusqu'à demain en tout cas. Ça y est, verdict, ça vient de sonner. Bonjour. Je vous avouerai que j'avais un doute sur qui allait passer. Hop, impeccable. Donc voilà, ça y est, il vient de passer. Et en fait, c'était celui qui scanne un par un devant moi. Et donc on va s'adapter. C'est-à-dire que lui vient que le lundi, le reste c'est l'autre. Donc je ferai en fonction la méthode de l'un et de l'autre une fois que je le sais. Et c'est vrai que c'est bien parce que là, il en a scanné bien 75 devant moi. On est d'accord tous les deux, je note 75, je signe, limite on se serre la main. Et c'est ok. Par contre, le lit n'est pas fait là. Ça, c'est sa chambre. C'est le bordel. Tu vas me faire ton lit. Hein. Il est presque 11h, mon lapin. Eh oui, il va falloir se lever. Il est fatigué en ce moment. T'es fatigué, mais t'es toujours l'amoureux sa mère. Bah bien sûr. Ça, c'est un bébé qui est très fatigué. La papate, t'es bien comme ça? Il est où, Jackie? T'es caché? Oh, mais beau celui-ci. Il est midi et demi. Je sais pas précisément. Non, non. Ce que je vais me faire. Mais j'ai mis quelques petites choses comme ça. On the table. J'ai fait chauffer des haricots. J'ai peut-être envie de me faire des œufs. Blanc d'Inde, là. Et un petit bout d'avocat et des myrtilles. Ah non, je viens d'entendre la voiture d'Eric passer devant la maison. Je crois qu'il galère pour trouver une place. C'est lui le coco. Ah, tu t'es levé, tu as... Oui, c'est bien. Il a fait son lit, c'est bien. Le cadrage, ça va pas du tout. Je vais devoir aller à la poste tout à l'heure pour mes box parce que DPD prennent... Enfin, ils peuvent le prendre pour la Belgique. On est sur du 17-18 euros l'envoi, donc non. Donc j'ai gardé Colissimo pour eux, en tout cas. Je vous dis, avec ce mec-là... Oui, je parle de toi. T'as pas intérêt de tourner la tête très longtemps, hein. Bah si, je vous l'ai dit, l'autre matin, le muffin à peine tourné, bam, il s'est barré avec. Ouais. T'as galéré, j'ai l'impression, pour garer. Hein. Un petit peu, ah, tu m'étonnes. Ouais, je travaille pas avant mercredi. Ah ouais? C'est beau, ça.
comme un petit week-end. Yes. Il y avait le chien, je crois, qui était en train d'attaquer les œufs derrière. Donc voilà, direction la poste pour mes petites boxes belges. Ça fait 3 semaines aujourd'hui que j'ai fait mes injections pour les migraines. Là, dans le temporal. Ah oui, bah c'est la partie que vous avez pas vue aussi samedi là, quand ça a pas fonctionné avec ma caméra. J'étais donc en migraine et c'était une des plus fortes que j'ai pu avoir depuis le traitement. Mais même en étant la plus forte, comme je vous disais, la douleur était très supportable. J'ai pris juste un petit Doliprane, il me l'avait dit d'ailleurs, le chirurgien, et c'est passé. Par contre, j'étais éclatée de fatigue, comme si on m'avait donné un somnifère. Ça fonctionne très très bien. Comme je vous disais, le seul truc, c'est que j'espère que ça va durer un petit peu dans le temps, un minimum de 3 mois quand même, ça serait cool. J'ai fait un petit détour inter pour m'esquire, ça part à une vitesse. Je pensais à ça dans la bagnole, je vous l'ai pas dit, mais... je sais plus si c'est dans la dernière vidéo où je vous parlais de la fameuse huile d'olive qui était la plus saine suite à l'enquête menée par 60 millions de consommateurs. Et j'ai reçu un message, mais quand même ça m'a mis le doute, d'une d'entre vous qui me disait que l'enquête était fausse et qu'en fait celle que j'ai prise et celle qui mettait en avant n'était pas la plus saine, que c'était justement la bio, enfin bon bref. Donc... qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi aussi, je suis la première concernée, je l'ai acheté en plus. J'ai envoyé un message à 30 millions de... Non, pas 30 millions d'amis, 60 millions de consommateurs. Je crois pas qu'il m'ait répondu encore. Mais pour savoir, pour qu'il me dise un petit peu ce qu'il en était. Et évidemment, je vous en parlerai, parce que s'il y a une erreur, c'est embêtant. Je partais, comme je vous disais, pour uniquement des skis. Hier soir, je n'avais pas de dessert, j'étais triste. Je voulais mon petit skier, vous savez le truc où j'étais obsédée par mon skier, il n'y était pas, donc j'en ai pris 8. Maison Colibri, non mais c'est Madeleine s'il vous plaît, elles ont l'air quand même exceptionnellement bonnes. Je vais peut-être les mettre au frigo parce qu'il va commencer à faire chaud. Je ne sais pas comment ça atterrit dans mon panier, mais c'est là. J'ai pris quoi? Sel poivre, des authentiques pour aller avec mon chat notamment, mon chef. Mes conserves haricots verts, casse-grain, les meilleurs. Et petit pois carottes. Ah non, ça, je me suis pris ça, tiens, pour un midi. Ça avait l'air pas mal du tout. C'est Monique qui fait ça, Monique Ranou. Poulet aux olives et quinoa. Ça a pas l'air mal, hein. Alors, ces pâtes, là, aux artichauts. Mais qu'est-ce que ça a l'air bon. Parce que moi, dans ma petite tête, j'ai déjà l'idée de les faire snacker une fois qu'elles sont chauffées, genre 1 ou 2 minutes. Je les fais revenir dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Et là-dessus, je vais me rajouter un peu de chèvre. Et un petit peu de miel. Et même des pignons de pain un peu revenus. Enfin, ça promet ça. Ça, attention. On a un Bilou qui est en train de pousser avec sa tête les fesses de sa mère. Ouh, ça répond. Un peu plus. Je suis très heureuse. Très, très heureuse. Parce que je vais arrêter ce vlog. Faut que je le monte. Il est 15h46. Vous commencez à connaître. Je travaille un petit peu en flux tendu. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, bon, encore une fois, je fais 12 vidéos par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, à raison de 3 par semaine, c'est beaucoup. Surtout que je ne fais pas que ça. 3 vidéos semaine, c'est une organisation. Donc, je suis obligée là, d'arrêter, de faire le montage, parce qu'il y a la miniature, il y a le machin, et ça va très, très vite. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, on se retrouve mercredi pour la suite des aventures. Ce soir, c'est le match. Je suis pas foot plus que ça, mais quand c'est mondial ou l'euro et que c'est l'équipe de France, je vais regarder. Je trouve que ça fera plaisir à Eric. Je pense qu'il y aura la petite pizza qui va bien et puis ça sera très bien. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi. C'est ça. Bisous. Ciao.